I've got to smell it. Arrivé dans ma main, mais c'est arrivé. Ça, c'est difficile à comprendre. D'accord, I'm gonna just cry. C'est juste transmise d'une main à l'autre, mais après, comment l'expliquer? Je sais pas, t'as la capacité de prendre des parfums et n'importe ce que tu veux, de faire voyager d'un endroit à l'autre. Même le verre se déposer, impossible de la sentir. Il n'y a plus. Ouais, ça sent. Ça sent. Ouais. Tu captures des odeurs déjà, ça c'est fort, et tu les retransmets chez quelqu'un d'autre alors que tu m'as pas touché. C'est bluffant. De me retirer l'odorat et de la remettre à volonté. Putain, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être là. Et quand je sens, au final. Non. Tu sens le parfum et puis après, bah, y a plus rien. Donc, À vivre, c'est vrai que c'est intriguant parce qu'on sent une odeur qu'on ne sent plus qui après. Apparaît, quoi. Qui disparaît, ouais. Ouais. Et le côté surtout avec l'odeur, parce que généralement, les tours de magie, on n'a pas accès aux odeurs, c'est vraiment visuel, quoi. Tu sens quelque chose et on te l'enlève. Donc, c'est un peu bizarre. Enfin. Mais à la fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, puisqu'on utilise quelque chose qu'on ne palpe pas en magie de base. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu, mais assez étrange aussi. Mais je ne sais pas comment, parce que je sens quand même les liquides ici, mais il n'y a plus de l'odeur. L'odeur qui se propage d'une main à une autre, et on le sent dans sa main, c'est incroyable. Je ne comprends pas, je suis encore perturbée.